Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien, je suis toujours en compagnie de Furious sur Iron Rose, ça va? Oui, ça va, et toi? Eh bien ça va, tu entends ce doux son qui vient de nos oreilles? Qui nous bousille les oreilles d'un mec qui est en train de se faire charcuter la tronche. Charcuter, tu crois? Ouais, j'avoue qu'il prend cher, surtout que ça fait genre 5 minutes qu'on est là à enregistrer nos fichiers, tout ça. Grave. Alors, waiting bench, no cutting in line. Alors la fois dernière, du coup, on avait le petit villageois qui nous avait dit, enfin le petit villageois, le prévenu, qui nous avait dit tout simplement de chercher la librairie. Ouais, il nous avait dit de rendre la librairie puisqu'il y aurait un plan pour s'évader. Ouais, quelque chose qui est caché apparemment, qui est... moi je descends en bas parce que... Ouais, et toi tu m'avais dit qu'ici du coup il y avait le garde qui avait disparu. Wow, please. Épargnez-moi, s'il vous plaît. J'en ai pas à voler cette banque. Et tu es de façon horrible, 5 innocents. Ah, il croit que c'est lui qui l'a tué, les 5 innocents. C'est juste, ah non, c'est juste un malentendu. Je pars. Donc le mec, il a volé une banque et tué 5 innocents. Vous n'êtes pas les gardes. Attends, il y a un truc là-bas. Mais qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez peut-être m'aider? Je ne suis pas supposé être là. Donc le mec, il a tué 5 personnes et il a volé une banque. Hein. Et il demande qu'on l'aide. Alors on veut bien l'aider, et mais nous, il y a on lui dit. Puisque tu as brutalement tué 5 personnes, je crois que tu es en effet supposé d'être ici. Non, je vous jure, ça ressemble, mais c'est juste une erreur. Un traître. Libérez-moi, je vous devrai ça pour toujours. Un traître, Rigel. Et on lui dit, peut-être que tu peux nous être utile. On t'aidera, mais seulement si... Seulement si tu fais ce qu'on te dit. Une condition. Ouais, seulement si tu fais ce qu'on te dit. Je vous écoute. Et du coup, il nous dit, il va nous expliquer comment faire pour le libérer. Alors, vous devez... Lancer le système. Oh là là, attention, tu notes un passage. Ah, il est là, regarde. Ouais. Il nous faut les empreintes de chaussures de. Du le sol pour le prochain. Ouais. Pour lancer le système. Putain, empreintes de chaussures. Empreintes de pied, empreintes de chaussures, enfin je sais pas, bref, il nous faut les empreintes. Non, non, mais c'est ça, non, mais c'est ça, c'est le pire. Ok. Oh, save it for the squad, birdie. Bon, je sais pas trop comment faire du coup. Où est-ce qu'on va retrouver ces empreintes? Bah écoute, on va cliquer là-dessus. Le chef d'un des interrogatoires. Mais oui, mais c'est le mec qui est en train de tabasser. C'est sûrement celui qui est en train de tabasser les prisonniers. Viens, ça doit être le chef des interrogatoires. J'arrive. Il nous faut ses empreintes de chaussures. On va lui piquer ses chaussures. On pourra plus donner de coups aux gens. Alors, meeting room. Par là. D'accord. Viens. Oh oh, wow, wow. On s'est fait choper. Stop right there. Alors. Oh non, salle d'interrogation. On est en salle d'interrogation, bah, ça tombe bien, c'est parfait. Bienvenue à l'interrogation. Je vais vous poser quelques questions. Quel est votre nom? Alors à gauche on a le choix, je suis désolé, je ne peux pas donner cette information, c'est classé top secret. Et à droite on peut lui donner notre nom. Vas-y, je te laisse faire les choix. Top secret. Top secret, ok. Je crois qu'il va pas nous apprécier le mec. So, alors vous ne pouvez... Vous voulez pas... Alors, vous voulez utiliser la manière forte. Je vous le demande une nouvelle fois. Quel est votre nom, prisonnier? My name is Frigiel. Swag MacArthur the First. Ah merde, moi aussi. Je voulais dire que toi, tu sais. Bon, ok, tu as dénoncé mon nom. Notre date d'anniversaire. Tu es né 27 mai? Non. vas-y, garde le silence. Je ne veux pas donner cette information. Silence. C'est top secret. Allez, chut. Let me try that again. Quelle est votre date d'anniversaire? Thank you. Vas-y. Si on lui répond rien. Bon d'accord, j'avoue, oh je suis là, né le 27 mai. Je suis né le 27 mai, je l'avoue. Allez, 27 mai, c'est bon. Sinon, ils veulent faire 20 fois au moins. De quelle année? Vas-y, dis l'année. chaque année. Every year, chaque année. Chaque année, je suis né le 27. Toi, il se pas. Mec, il veut dire, ne rigolez pas avec moi, tu sais. Alors... Où étiez-vous la nuit du 12, c'est quoi? C'est quel chiffre? August 12. En août. Mois d'août. Qu'est-ce que vous portiez? Est-ce que vous avez vu cet homme avant? Non. Oh, where were you with? You bon. Play the piano? You play the piano. Je ne comprends rien à ces questions. Vas-y. On répond à toutes les questions, on est super bien. Allez, fuck. Alors. Je faisais danser un marathon dans un bar local. No one. A dance my rating. C'est un picture de moi. Regarde, la preuve. Je peux pas lui montrer. Merde, dommage. Où est-ce que vous avez obtenu ça? Oh putain. On a répondu n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Cet interrogatoire n'a aucun sens. Bah oui, ça n'a aucun sens. Mais regarde, déjà il est de dos. Et puis on lui a dit qu'on jouait très bien du triangle, mais pas très bien du piano. Alors. C'est très élaboré tout ça. Dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de mes nouvelles chaussures?
Ah, c'est lui, l'enfoiré. Viens, on lui dit qu'elles sont plutôt belles et comme ça, il va nous les donner. Non, belles. Donne. Attends, la mauvaise réponse, c'est... elles sont très très moches, elles devraient se marier avec ton père. Oh. Bon, vas-y, dis-lui qu'elles sont très belles, sinon il va mal le prendre, je pense. Allez. Une question, là. Ah, j'essayais de passer du bon côté. Je déteste les ceux qui font du lèche-cul. Ok, question finale. Attends, je suis pas sûr de comprendre la dernière phrase. Avant que je vous mette, si c'est ça, avant que je vous mette en chambre d'isolation, quel est le sens de la vie? Est-ce qu'on lui répond 40, le 42? Ouais, 42. Pour ceux qui ont vu le guide du voyageur intergalactique. What? Ça marche pas. 42. Bon bah laisse tomber. Bon, mais il a la bonne réponse alors. Mais. Ah, apparemment, il n'y a pas de sens de la vie. Il n'y a pas de sens de la vie, tu crois? C'est en fait, c'est Illuminati. Non, la vie n'a aucun sens. Peu importe la réponse que vous donnerez. Mais attends, il veut plus qu'on réponde. Attends, là. On va être bloqué là. Ouais, mec, c'est de l'arnaque ton interrogatoire. Viens, vas-y, on le tabasse. Guard. On le tabasse. T'as cassé le bouton. Pourquoi t'as cassé le bouton? Je l'ai posé, c'est bon. Oh, j'ai cassé la vitre. Pourquoi t'as cassé la vitre? Viens, on s'enfuit. On s'enfuit. Casse le pack de pression. Mais pourquoi ça marche pas? Je ne sais pas. Pourquoi ça marche pas? Je ne sais pas. Pourquoi tout d'un coup on ne peut plus répondre à sa question? Apparemment, le sens de la vie, c'est... C'est une question trop compliquée pour pouvoir y répondre. Il faut peut-être attendre. Non, écoute, il y a un petit bug, je pense. Oh, on va se permettre de faire une ellipse, on va essayer de corriger ça. Allez, encore une ellipse. C'est bon, donc on est de retour. En effet, il y a eu un petit bug au niveau de la question. C'était quoi le sens de la vie? Ouais, et bah le sens de la vie a vraiment fait tout bugger. Puisque normalement, en fait, le garde ensuite est censé s'endormir à force qu'on lui réponde tout et n'importe quoi. Et en fait, comme je l'avais remarqué, on peut casser la vitre ici. Donc viens, on va s'attaquer à lui là. On s'attaque à lui? Voilà. C'est quoi? C'est le plan, à mon avis, qu'il a dans le. Bah ouais, mais en fait, faut juste qu'on s'enfuit. Donc c'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal le fait qu'on puisse casser les vitres. Ça, c'est cool. Vas-y, faut qu'on le chope là. Et je crois que c'est lui qui a les chaussures de. C'est lui qui a les chaussures. Ouais! Ok, c'est bon. Alors j'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a un coffre. Ah, bouton, door case! Attends! Prison ID. C'est le plan! Tiens, vas-y, c'est. Quoi? T'as le plan là? Non, c'est quoi? Wow. Ah, j'ai chopé le bouton qui est dedans, c'est la clé. Oh. Vas-y, ouvre la porte. C'est notre idée, à tous les coups, c'est nous. Ouais, ça doit être nous. Et bah, regarde, ouvre la porte, on va aller utiliser les chaussures pour actionner le mécanisme. Regarde toi. J'ai voulu passer, je me suis pris la porte. Juste, je vais vous montrer ça aussi parce que du coup, j'avais pas filmé de mon côté. Ah, exact. Le mec qui se fait tabasser. Bon, voilà, hein, on va pas l'aider, hein, c'est leur histoire. S'il est arrivé ici, c'est qu'il mérite. Allez, viens, on va libérer l'autre mec qui. Pauvre mec. On va libérer le pauvre gars qui a tué 5 personnes et volé une banque. Oh. Il y a eu un bruit bizarre, hein. Ouais. Ouais, j'ai entendu toi aussi. Alors, on a les chaussures, mon gars. On va te faire sortir d'ici, t'en fais pas. Vas-y, mets-lui dedans. Hop. Dans le dispenser. Oh. Alors, système. Up system. En train d'être lancé. Insérer le code de sécurité. Eagle, what? Frog, Worm, Whale, Moose. Alors, il va nous expliquer. Vous avez besoin du code de sécurité. Je ne le sais pas moi-même, mais j'ai vu le garde le taper. Je pense que ça pourrait aider. See what I can do. Ok. Bah. Ça n'a rien à voir en tout cas avec ce qu'on a. Attends. Je vais voir un peu au niveau du. En bas, peut-être que. Ah, il a vu le garde le taper. Peut-être que ça veut dire. Il y a une zone que... verte là-bas. Ouais, à droite, regarde. C'est quoi ça? Quoi? Code 3. What? Alligator, iguane, lapin. Rabbits. Qu'est-ce que c'est étrange? Et là? Code 2. Monkey. Iguane, rabbit. Unicorn, donc ouais, donc unicorn et un dauphin. Et là, t'as essayé là? Non. Snake, elephant, hunt. Alors, Oula. Attends. Man, what's with the real. Nixon. C'est bizarre. Waouh! Bizarre. Ça veut peut-être dire quelque chose? Attends, je connais le code. Attends. Bizarre, le code. Attends, je connais le code. Hop. Faut que tu m'expliques. Attends, c'est pas ça. Ça veut dire quoi, M-U-D? Mud. Mud? Ouais. Faut aller voir sur Google Traduction. Sinon, on va pas réussir à. Ah oui, si, ça. C'est océan.
D'accord. Mode, c'est océan? Non, mais si. Si, Si, c'est. c'est l'eau. Si, c'est. Ouais, c'est ça. L'océan et Et. mud, ça doit être. Je vais aller voir. Donc R, c'est pour le. Tu parles de. Ah, mais attends. Mode, c'est boue. Alors, attends, à mon avis. Bah alors, c'est frog ou ver de terre. Hop. 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 Ça marche pas! Parce que pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a écrit air, boue et mer. Wrong Ouais. brass road. Ah, mais t'as appuyé où ensuite? Après, j'ai recliqué là. Ah, d'accord, D'accord. au coup, j'avais Vas-y, oublié depuis le vas-y. début. Attends. J'en Attends. étais sûr que ça. Voilà. Voilà. T'es prêt? Voilà. Wrong brass road. Mince, c'est pas ça. Écoute, on va essayer avec le ver de terre dans ce cas-là. Attends, c'est code 1. Si. Ouais, donc moi Code je 1, mets si. baleine. Ouais. Ensuite, code Code 2, 2. mud. Boue. Donc on va mettre ver de terre, même si Vers de j'ai mis terre. Et grenouille tout à l'heure. R pour le code 3. Et ben aigle. Hop. C'est bon, c'est ça, on a Yeah! réussi. Oh, on a cliqué tous les deux en même temps sur un truc J'avoue. là. Je suis un homme libre. Et je vais Maintenant. vous tuer. Maintenant, vous avez juste appuyé sur le bouton rouge. Red Bouton button. rouge, le bouton Non, bah, vert non, il est me pas sur le bouton rouge. tuera. N'appuyez surtout pas sur le bouton vert. Mais il n'y a pas de bouton rouge, il n'y a que des boutons verts. Ah, mais il est daltonien! C'est pour ça qu'il n'y a que deux boutons verts. Comment tu sais ça? Parce qu'il est daltonien et que le rouge, tu le vois vert. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a un What's the problème? Non, problem? non, non, il n'y a pas de problème, mec. Bon, c'est quoi le bouton rouge? C'est lequel? Celui de gauche ou celui de droite? Attends, attends, on va laisser parler. Bon, allez, attends, moi je suis sûr que c'est le bouton de gauche, le rouge. Allez, There hein. On te libère, mon gars, on te libère! T'en fais pas! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a marché? Ah, ça, c'est ce qu'on pense. Ah! C'est bon, regarde, il est libre, il est libre. Non! Oh, on s'est trompé de bouton! On s'est trompé de bouton! Purée. Oh purée. Donc ensuite, oh regarde la tache de sang en dessous. Non. Tu le vois? Le mec s'est Ouais, fait non, mais c'est trop littéralement beau. écraser. Bon bah écoute, ça me fait la nourriture en plus, c'est très bien. Ah ouais, je suis comme ça. Donc Dégueulasse. ils nous disent, les toilettes sont les endroits les plus proches de la librairie. Ouais, peut-être Je un devrais conduit, hein. peut-être aller regarder ça. Donc je sais pas si on a débloqué l'accès aux toilettes peut-être du coup maintenant. Alors du coup, ouais. Bon Attends, j'ai récupéré on va la aller tête voir qu'il y a dans le ça. cadre, on peut pas? Non, dommage. On va aller voir ça. Hop. Allez, vas-y. Mais c'est où les toilettes? T'es Là où pas on là? peut. Là où on peut toujours pas y aller? Tu crois? Et là là. Bah non, on peut pas. Et là là-haut là. Là, je sais pas, on n'a Toujours. pas essayé. Mais on peut, hein. On On peut peut. là? Ouais, bien sûr. Oh. Secretary Eva. Oh, bonjour madame. Ah bonjour! Ça fait plaisir d'avoir un petit peu de féminité dans tout ça. Excusez-moi, je suis occupé. Occupé. Bon. Ah. Where is the fucking toilet? Donc il nous dit de ne toucher à rien tant que la secrétaire regarde. On allait falloir lui répondre. Alors 1336 jours sans qu'il y ait aucune tentative d'évasion. Ouais bah, Prisonnier du puisque ce que mois, nous aussi on Gary. essaye de s'échapper. Gary, il est là un petit peu mort, Ouais. Ah, les non? busy, hein. Parce qu'à mon avis, il faut revenir plus Nourriture du tard. jour, pain et eau. Attends que ça marque ça, c'est que je pense qu'il faut revenir plus tard. Hein, c'est Et que bizarre ça quand même. active, que ça activera un code, tu sais, pour qu'on puisse revenir plus tard, je pense. Attends, mais il y a un bouton vert et un bouton rouge. Ouais, mais justement, c'est parce qu'à mon avis, plus tard, il y aura une command block où elle sera plus occupée parce qu'on aura fait une tâche qu'il fallait et puis on pourra D'accord. répondre à ces questions, je pense. Bon, alors faut qu'on trouve les On peut toilettes. toujours pas aller là. Est-ce Bah les qu'on pouvait toilettes, les aller revoir toilettes. notre Viens, ancien on va aller ami? voir au niveau de la librairie, les toilettes sont peut-être ouvertes. Tu te souviens, il y avait des toilettes juste à côté. Ah oui. On va aller voir ça. J'ai une Oui, petite c'est envie moi. pressante là. Ils sont ouverts, regarde. Ah! Je me Et souvenais bah plus que les voilà. toilettes étaient ici, tu vois. Si, moi je m'en souvenais. Ah Mais oui, si, j'avais Yann, oublié, arrête de me j'avais regarder comme oublié. ça me fait flipper. Oh, gomme. Oh non, ça ne peut pas arriver maintenant. Est-ce Y qu'il a y a plus de quelqu'un papier. ici, toilette guy? Ah, je suis sûr qu'il a plus de Il papier. y a plus de papier, toi t'as trouvé du papier? Ouais. Malheureusement, oui. Little accident. Ah bah, il veut du. Ah bah, impeccable. C'est bon, je sais ce Vas-y, qu'il veut. donne-lui du papier. Hop, attends, il en fout plein. Y'a pas d'autres? Si, j'en ai là, moi. Bah tiens, je vais te les donner. Je vais te laisser faire l'échange. Tiens, regarde, et il va Faut que je nous le donne à échanger un beau qui? petit truc. Bien sympa. Il est juste là, là, regarde. Un casque. It is already coming, please. C'est bon, je l'ai. Alors, quoi, ça va nous servir ce casque en fer? Diving helmet. C'est pour aller sous l'eau, ça, non? Diving. Une bonne question. C'est pas un casque de respiration? Bon, bah, du coup, en fait, il est Tu encore es en un train homme de parler sage. alors que nous. Ouais. Il...
Bon, écoute, on l'a aidé, on l'a aidé. Comment on a le peu fait là? Mike, ouais, Mike, il est allé aux toilettes aussi, du coup. Ok. Je ne sais pas qu'il a fini de parler. Ah, diving, je suis sûr que ça veut dire plonger. Attends, je vais chercher tout de même pour être sûr. Ouais, c'est ça, c'est casque de plongée. Et regarde ici, j'ai trouvé un passage, on peut rentrer dans les toilettes. Ah? Donc je vais mettre mon casque de plongée et je vais te dire ce que je vois. Souhaite-moi bonne chance. Vas-y. Change rien. Mon dieu. Ça change rien. Ça change absolument rien, on va se noyer. Ah oui, on va quand même bien se noyer en plus. Pourquoi ça marche pas? C'est juste qu'en fait, ça a juste ouvert un système peut-être, non? Je sais pas. On va se noyer. En plus, violence. Ah, ouais, bon, on s'est noyé dans, on noyé dans les chiottes. C'est dégueulasse. Oh, t'en vois là. Oh, bonjour, monsieur le garde. Bon, on s'est noyé dans les chiottes. Écoute, c'est peut-être le bon moment de s'arrêter, je ne sais pas. Bah écoute, on s'est noyé dans les chiottes. Ouais, après cette noyée dans les chiottes, je trouve que c'est assez honteux. Attends, parce que... Il y avait pas quelque part où on avait récupéré un enchantement de... Mais si, mais si. Attends, j'ai la solution. Mais je vais peut-être mettre un peu... Attends, Et l'enclume. Mais oui, mais voilà. Ah bah voilà, oh, bravo. Et attends, il fallait. Ah ouais, mais écoute-toi qui pourrais y aller, par contre. Je voulais mettre du suspense et voilà, bravo. T'as tout cassé, t'as totalement cassé le suspense. Bah, il y a encore le suspense des toilettes. Hein. Voilà, je voulais lancer une petite énigme à nos abonnés, leur demander voilà, est-ce que vous savez maintenant comment résoudre cette énigme, mais bon. Et bah, Furious a Furious a résolu tout ça avant vous. Voilà, il est plus fort que vous. Donc au moins on n'est pas bloqué, tu vois. Hop, ouais. Respiration. Mais je me demande quand même ce qu'il y a derrière ces toilettes. Eh bien, on le saura dans le prochain épisode. C'est fou comme cliffhanger, ça. Ouais, si avec ça, ils ont pas envie de regarder l'épisode suivant, je me grave. Sais pas, hein. Là, le secret des toilettes maudites. Exactement. Allez, tout ça donc dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut les amis.